Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite la paix et la joie qui vient de Dieu. Aujourd'hui encore, je t'invite à prier le Seigneur et à lui demander de te donner la grâce de rechercher les choses d'en haut. Aujourd'hui encore, l'Église nous rappelle que le plus important est de regarder à Dieu et de ne pas fixer son regard sur son prochain. Quand on se met à regarder l'autre, on peut aller jusqu'à lui dire « Enlève la paille qui est dans ton œil. » Alors que nous-mêmes, on ne voit pas que dans notre œil, on a une poutre. Et la parole aujourd'hui nous traite d'hypocrites. Il nous traite d'hypocrites parce qu'on n'essaie pas d'entrer en nous et de rechercher le Seigneur, de rechercher les choses d'en haut, les choses impérissables. Tel que l'amour. Parce que l'amour ne critique pas, l'amour ne juge pas. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour va au-delà de tout. Et l'amour est divin. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers la parole d'aujourd'hui. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons de venir nous transformer parce que c'est toi seul qui peux nous changer. Ce matin, je t'invite à prier le Saint-Esprit afin qu'il vienne te montrer ce qui ne va pas en toi, afin que tu puisses travailler ton caractère. Que le Saint-Esprit te brise afin que tu puisses travailler ton caractère. Afin que tu puisses être comme Dieu. Afin que tu puisses être clément envers l'autre. Demande au Saint-Esprit de venir te briser afin que tu arrêtes de critiquer, de regarder l'autre comme si tu étais meilleur que lui. Nous sommes tous faits de chair et donc nous sommes tous faibles. Mais par le Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous sommes forts. Et c'est ce que Saint Paul a compris. Saint Paul est allé à une dimension où il a compris il ne doit pas fixer son regard sur les faiblesses de l'autre. Parce que lui-même, il dit, le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. C'est le mal qu'il ne veut pas faire. C'est cela même qu'il fait. Et lui, il a reconnu qu'il était faible. Et il est allé plus loin en disant que c'est quand il est faible qu'il se sent fort. Parce qu'il reconnaît l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus qui est en lui, l'autorité suprême qui est en lui, et tu lui donnes la force d'aimer, la force d'aller de l'avant dans sa marche avec le Seigneur et dans sa marche vers la sainteté. Alors demande au Saint-Esprit de te briser et de te transformer. Demande-lui de te donner la forme qui plaît à Dieu, le caractère qui plaît à Dieu. Demande-lui de te donner la grâce de faire des œuvres que Dieu attend de toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Saint-Esprit, nous te prions ce matin de venir nous aider. Esprit, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu as choisie pour moi. Ce matin, entre en toi. Demande au Saint-Esprit de te changer, de changer ton cœur, de changer ta façon de voir, ta façon de regarder ton prochain, ta façon de l'aimer, ta façon de vivre avec lui, car c'est important. Demande-lui de te sanctifier, de te sanctifier, de te sanctifier pour être comme lui. Saint-Esprit, vise-nous. Nous te demandons de nous façonner ce matin. Tu es le potier, donne-nous d'être comme Christ. Dans tes mains, nous sommes comme l'argile. Nous sommes faibles devant toi et nous venons devant toi avec nos faiblesses. Seigneur, transforme-nous. Comme l'argile, nous sommes devant toi.
toi le potier merveilleux. Donne-nous d'être comme Christ, d'aimer comme Christ. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Seigneur, brise-nous, afin que, au-delà des faiblesses que nous pouvons voir chez notre prochain, que nous puissions aimer. Amen. Dieu te bénisse, bien-aimé, et que le Seigneur te donne la grâce de la sainteté. Bonne journée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.